explication. Eh bien oui, cette banque possède au moins 3000 cerveaux qui peuvent être mis à la disposition des chercheurs pour étudier les maladies psychiatriques ou neurodégénératives. C'est l'une des plus importantes au monde. Alors pour rajouter 5000 euros donc, dans la cagnotte du printemps, donc, qui monterait à 15 000 euros, c'est la dernière question. Quel surnom donne-t-on aux tiges métalliques sculptées qui supportent le panneau métropolitain à l'entrée des bouches du métro parisien? Les brins de muguet. Et les sentinelles. L'autre. Vraiment au pif, mais ça peut être les brins de muguet. Derrière l'autre, il y a les bras de Morphée. Pour un nouveau coup de maître. Donc ce serait 3 coups de maître en 3 jours. Par l'architecte Hector Guimard. Ouais. Et elles étaient propres au courant Art Nouveau. Elles ont des formes de tiges végétales. Et du coup, ça leur a valu le surnom de brin de muguet. Eh bien, je ne le savais pas. 5 cases sont envolées sur l'étoile. On a eu de la chance. Ah oui, là, oui. C'est la cérémonie des Césars, alors pour l'occasion, nous vous offrons un lecteur Blu-ray Full HD doté d'un port USB pour visionner tous vos contenus multimédia, photos, vidéos, images. Et puis on vous offre aussi quelques DVD et Blu-ray. Oui. Valeur de l'évasion en famille, 430 euros. Là, maintenant, on va s'apercevoir que l'étoile prend des rondeurs et des rondeurs destination l'hiver. Alors, il y a les skis et le snowboard, la valise à raclette, les jeux de société, le smartphone, les bijoux, la barre de son, la mini-télé, la console de jeu, le tractopelle, l'enceinte Bluetooth, le best-personne connecté, le fauteuil maçon, la télé 4K et la voiture. Valeur de l'étoile. 28 518 euros. Alors, vous savez, on aime bien faire des surprises et vous faites maintenant partie de notre famille. Eh bien, figurez-vous que je me suis permis de faire une petite vidéo. Ah oui. Regardez, je pense sincèrement que ça peut vous faire plaisir. Et une surprise, il s'agit de Gervais Martel, Benoît. Salut Benoît, écoute bien Benoît. Là, on n'est plus en train de rigoler. Tu défends les couleurs des Sans-Élans. Tu défends les couleurs des Hauts-de-France. Faut aller loin, mon pote. On est avec toi. Tout le monde est avec toi. Les Hauts-de-France. Allez, Lance. Voilà, allez, Lance. Allez, Ina Beaumont et allez, les Hauts-de-France. Merci, c'était Gervais Martel. Merci. C'était juste pour vous dire parce que c'est un ami pour la vie. Et là, vraiment, les Hauts-de-France sont très, très fiers de Benoît. Voilà, c'était un petit message pour vous parce que je sais que tout le COP Lensois est parmi. Et merci à Monsieur Martel pour le clin d'œil. On est très, 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 très heureux. Voilà, c'était le message pour dire merci. Allez-y et puis découvrez l'étoile. C'est les 12 coups. Alors, hier, on a proposé Benoît Poulvorde, mais le fait est que il y a maintenant un transistor, des serviettes, un chapeau, des jonquilles, un petit bouquet, des champignons. Et puis tout là-bas, il y a les États-Unis. Qu'est-ce que vous nous dites aujourd'hui? C'est vrai que tous les indices ne concordent pas forcément, mais le côté cow-boy, etc. Peut-être donc le transistor, c'est de la chanson. Vite fait, si je réfléchis, c'est par exemple Dick Rivers qui me vient à l'esprit. Dick Rivers, que l'on salue, évidemment. Bonjour Hervé. Décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Est-ce que l'étoile se rallume sous les yeux de Nolwenn qui m'a fait un superbe dessin? C'est raté.
Désolé, mais ravi pour les Hauts-de-France. Encore merci pour le message. Ben, c'est un plaisir. Martine, montez avec votre fille.